Fury Machine sur Board Game Arena. Pour changer un petit peu de l'Orcana, même s'il y aura peut-être un live l'Orcana après. Donc là, je me suis mis en mode classique, difficile, 5 propositions. Du coup, on va pouvoir y aller. Voilà, alors. Je regarde un petit peu, croissant, décroissant. Tout ça, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à. Ah oui, par rapport au triangle. Non, pas par rapport au triangle. Par rapport à tout. On va faire du croissant. 2, 3, 5. Alors. Commencer par ça. C'est faux. Donc c'est faux que le triangle est plus petit que le carré et que le triangle est plus petit que le rond. Et c'est faux que le carré est plus petit que le rond. Ok. Ça, du coup. C'est faux aussi. Donc... Là, on va dire qu'en haut c'est pair et en dessous c'est impair parce que j'arrive pas à lire. Donc, pair, non. Impair, impair. Et on va essayer le croissant. Et c'est pas croissant non plus. Bon. Croissant, on va dire que c'est ici. Pair. Bah non, on n'a pas trouvé le code. Donc, on va faire du décroissant. On va faire tout l'inverse. 5, 3, 1. Donc là c'était pair. Là c'est un pair. Là c'est un pair. Là c'est un pair. Donc ce serait pour tester juste ça. Ouais, on va essayer. De toute façon, on s'y remet petit à petit. Hein. Hop là. Celui-là, j'ai dit. Voilà. Là c'est vrai. Donc. Pas égal, c'est pas égal. Donc, c'est une de ces trois propositions là. Ok. J'ai testé ça. Bon. C'est pas décroissant, donc c'est ni croissant ni décroissant. Et enfin, c'est vrai. Waouh. Donc c'est ça qui est impair. Ok. Donc c'est pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. Non, je ne sais pas. Ça on oublie. Donc je vais prendre un 3. Faut que le triangle ok ouais bref hop truc comme ça allez on y va c'est très perturbant de vraiment de pas pouvoir écrire ça me perturbe c'est faux donc triangle triangle plus grand que rond, c'est faux. Et carré plus grand que rond, c'est faux. Donc, c'est le triangle qui est plus grand que le carré. Ok. C'est faux que. Mince, j'ai pas regardé en fait. Ah oui, c'est le multiple. C'est pas un multiple de 4 alors. Ok. Et là, c'est faux aussi. Il était. Donc c'est pair ou impair, hein. C'est ça? Ouais.
Donc celui-là il est pair. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors on a essayé de simuler un petit peu. Hein. Donc c'est que c'est peut-être un 3. On sait que le triangle est plus. Non. On sait que le triangle est plus grand que le carré. Donc c'est un 2 ou un 1. Si je prends un 1, et donc là je prends un 2 ou un 4. Si je prends un 2, ça fait 3, 4, 5, 6. Ça peut être un multiple de 3. Est-ce que je peux faire un multiple de 5? 3, 4, 5. Donc, pour vérifier ça, pour finir, je vérifie juste si c'est un multiple de 3 ou un multiple de 5. En vrai, je pourrais peut-être essayer de trouver. Donc, si je prends 3 et 1 et 2, ça fait 6, ça fait un multiple de 5, c'est pas un. Ça fait un multiple de 3 et pas un multiple de 5. Donc, on va valider ça. Et c'est faux. Donc c'est pas un multiple de 3, c'est un multiple de 5. Ok. Donc si je dis que c'est un 4. 4 et 3, 7. 3, ça fait 10. C'est forcément plus grand. Donc si je prends un 5. 5 et 4, 9 et 1, 10. Est-ce que ça passe? Alors, celui-ci est pair. Ouais. C'est ni croissant ni décroissant, oui. Lui est un pair, oui. La somme est un multiple de 5. Oui. Bon, bah, on va tester ça. Je trouve ça un peu bizarre, mais. 5, 1, 4. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas? Parce que j'arrive pas à lire. Victoire. Bon, on a trouvé. On a trouvé en combien? 10, je crois. 10 ou. 10 ou 13, mais je crois que c'était plutôt 10. Bon. Bon. En fait, c'est pratique. C'est plus rapide pour installer, etc. Mais je suis quand même moins à l'aise que quand j'écris. Parce que j'imprime, en fait. Comment dire? Je crée comme une image. Et quand je barre, en fait, je le barre aussi dans ma tête. Et du coup, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais c'est plus simple. Alors, hop, quitter la table de jeu. Alors, je sais pas si. Je fais un autre petit jeu. Ou si je m'arrête là. J'ai pas envie de refaire une partie. Donc non, je pense que je vais du coup m'arrêter là. J'espère quand même que ça vous a plu cette petite partie. J'espère que ça vous a donné envie de jouer à Turing Machine. Alors comme vous pouvez le voir, c'est en bêta. Il n'y a pas besoin de compte premium. Donc vous pouvez juste vous inscrire sur Board Game Arena pour tester. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très très vite pour de nouveaux jeux de société. Bye bye.